Ok, je suis à la Willis Tower. On a quoi sur Elena? D'après ses mises à jour de statut, elle aime bien les selfies. Là, elle fait une duck face. Là, elle est avec une copine. Ah, elle aime ses chats aussi. Qu'est-ce que tu lui veux, cette pauvre fille? À elle, rien. C'est son oncle que je recherche. Et je pense qu'elle peut me mener jusqu'à lui. Eh bien, salut tout le monde, c'est Dark Funeral 972. Aujourd'hui, on va rechercher une fille qui fait des selfies. La connasse. Elle a publié une photo d'elle ce matin. Ah. Sa tenue du jour, cheveux bruns, lunettes et un sac à dos vert. Merci les réseaux sociaux. C'est un bon début. Je continue à chercher. Sac à dos vert? C'est un sac à dos vert, ça, là-bas? Bon, bref. En tout cas, grosse conne. La méga compète, tu te prends pour qui? Elle vaut pas mieux que moi. C'est moi qui l'ai trouvée la première. Oh, la pauvre. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai son dossier médical sous les yeux. Elle a avorté l'an dernier. Ça expliquerait ses visites chez le psy. Pourquoi tu cherches tout ça? Ça m'intéresse pas de la connaître. Je veux juste la retrouver. Eh, moi je lance la recherche et les infos arrivent toutes seules. Je suis désolée, je décide pas du contenu. Attends. Ah, super. Elle vient de modifier son statut. Elle est dans Connelly Square. C'est une grande structure en verre. Tu devrais pas être loin. Je la vois. Beau boulot, Clara. Tu peux supprimer les fichiers. Aiden, chez DedSec, on veut que les informations soient accessibles à tous. Clara. T'inquiète. On s'intéresse pas aux jeunes filles innocentes. Moi, j'ai du mal, j'avoue. Elle est surveillée par DedSec. Pourquoi? En plus, elle ne dure qu'une journée. Bon, bref. Où est-elle? C'est pas elle? T'es vraiment un connard. Ils font ça pour 3 fois moins cher. Ouais, d'accord, mais c'est le Mexique quand même. Ils ont les mêmes conventions médicales au moins. Ouais, c'est du tourisme médical. C'est... Ok, Elena. C'est parti. Hop. Exactement. Non. Allô? Mademoiselle Tucci? Je suis le docteur Hayat du Chicago Hospital. Nous avons les résultats sanguins de votre oncle Angelo, mais on n'a que votre numéro. Vous savez où on peut le joindre? C'est urgent. Ah, je suis désolée, j'ai pas parlé à mon oncle depuis des années. D'accord, merci beaucoup. Okay. Attention. Ouais. Salut, tonton. Elena, tu veux encore des places de concert? Non, écoute, j'ai reçu un coup de fil bizarre. Je crois que les flics te recherchent. Quoi? Merde, ton appel vient sûrement de les mettre sur ma trace. Raccroche tout de suite. Bingo. Angelo Tucci, où est-ce que t'es? Ah, te voilà. Angelo Tucci. C'est ce type qui organise le transfert de mon témoin. Quelqu'un l'a payé pour obtenir l'identité du justicier. Quelqu'un qui veut mon nom. Mais il l'a pas encore. Ah là là. Vive la technologie! Demandons-en toujours plus. Je suis en train de traquer. Alors attention, attendez. Tue un jeu tout de suite avant qu'il n'arrive à la prison. D'accord. Je vais le choper avant qu'il arrive à la prison. Joli. Donc alors, comment je suis censé m'y prendre? J'aurais peut-être dû prendre une voiture un peu plus musclée. Ou avoir une bombe. Ah, c'est bien ça, une bombe. Bref, en tout cas, ça c'est le chemin qui va suivre. Et faut que je trouve un moyen de l'arrêter. C'est cool, je peux avoir son itinéraire GPS. Putain, vous imaginez si dans 30 ans on est tous surconnectés et il y a des hackers comme ça qui arrivent à faire ce qu'ils veulent. Ce serait plutôt bizarre. Vous savez, genre les Anonymous se révoltent, alors ils prendront contrôle de tous les robots. Et ce sera un espèce de Terminator Revolution.
En fait, je vais attendre d'arriver à un feu rouge. Et je vais l'activer. Oh, merde. J'attends d'arriver à un feu rouge et je vais essayer de neutraliser. Et une fois que ce sera fait, je sors, je balance mes grenades. Et flou 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 flou. De merde, c'est pas vrai. Faux. Pierce, t'as une seconde? Je t'écoute. Bon, ok. On dirait que tu t'es fait de nouveaux ennemis et ils ont l'air nombreux. Alors si tu veux mon avis. J'aurais besoin d'un coup de main. Génial. J'y vais. Renfort arrivé. Et merde. Parfait. Oh, parfait. Putain, mais ce genre de caméra, il me... Allez, salut. Arrête-toi. Aïe, 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 aïe. Oh les chiettes, les gars! Il doit pas être loin, cherchez-le! Northbound train arriving shortly. Oh putain. Oh putain, y'a le métro. Oh, ce timing de pas génie. Ah, vite, mon métro, vite! Tu peux arrêter, s'il te plaît? Southbound train, arrive shortly. J'ai dit. Allez, fais pas ta pute! Oh là! Arrête de m'appeler, ok? J'ai dit ton commentaire, tu sais. Laissez tomber! On annule la cible! Voilà. Oh putain! Le transfert n'aura pas lieu. Il ne me reste plus qu'à trouver le moyen d'entrer dans cette prison. Et d'avoir une petite conversation avec mon témoin. Voilà, bon. Aime le cosplay. J'aurais pu être un fixeur, lui. Ah, je suis maintenant un justicier, et ça, c'est cool. Arbre de compétence, j'ai combien de points? 0, putain. Ça, c'est trop moisi, ça. Est-ce que t'as toujours des contacts en prison? Je leur ai déjà demandé s'ils pouvaient le faire glisser sous la douche. C'est des fumiers, mais pas à ce point-là. Je veux me faire arrêter. Bah, bien sûr. Mais pourquoi tu ferais ça? Le témoin en question, c'est un pauvre type. Il était au mauvais endroit au mauvais moment, c'est tout. Il avait rien contre moi. Je veux pas le tuer. Juste lui faire comprendre que je peux l'atteindre n'importe quand, n'importe où. C'est vraiment trop pourri comme idée. Mais j'adore. Je vais trouver le plan de la prison, on se parle plus tard. T'as besoin de quelque chose? Mon téléphone. J'y crois pas, t'as un vrai problème. Tu deviens accro. Jordi, il me faut mon téléphone. Ils vont me le confisquer dès mon arrivée. Ouais, je sais, je te fais marcher. J'ai justement le type qu'il faut. Il a une dette envers moi, tu l'auras ton téléphone. Parfait. Bon ben, allons nous faire arrêter. Bonjour, monsieur les flics. Arrêtez-moi, je vous en prie. Le centre correctionnel de Pellin. Grâce à Bloom, cette prison vient d'améliorer son système de sécurité. Serrure en réseau, surveillance automatisée. Si ma cible avait été autre part, j'aurais eu un problème. Mais pour une fois, Bloom a raison. La technologie facilite la vie.
Bouge pas! Lâche ton arme! À terre, tout de suite! Main derrière la tête! Allez. Dis à Jordi qu'on est quitte. Bouge pas. Pierce. Hayden. Never again. Smith. Excellent. Bah oui, comme ça on a ni son nom ni son prénom. Ça fait bizarre de me voir en tenue de civil. Porte une caméra cachée. Ok. Alors. Très bien. Alors, est-ce que lui va s'approcher suffisamment près? Non, fais demi-tour. Fais demi-tour. Parfait. Il fait demi-tour. Nice. Vous imaginez faire ça dans une vie Je suis prêt. Ouais, je vois ça. Arrête de jouer au con. C'est toi qui devrais être ici. C'est ta faute, tout ça. Tu devrais surtout parler moins fort. Si t'envoies au trou, je pourrais pas t'en faire sortir. Je vais chercher le planning des prisonniers. Je te rappelle plus tard. Bon, ok. Faut que j'aille là-bas. Merde, j'ai été repéré, fait chier. Bon bref, c'est parti. Allez, retourne-toi. Dans ma tête, je pensais que les prisonniers allaient faire genre enfin un truc pour me faire spotted. Eh ben même pas. Et merde. Super. Bon. D'accord, bon, ça c'est une chose. Ça, c'est autre chose. Jordi, j'ai trouvé le planning. Elle est où, la cour de promenade? En haut. Donc, faut que j'aille en haut? Non, faut que j'aille là. Merde. Allez, bouge! Putain, faut la faire full infiltration, là, pourquoi? Je porte mes balls. Ah.
merde. Comment je pourrais me... Comment je pourrais faire diversion? Pirater. Est-ce qu'ils ont un truc près d'eux? Est-ce qu'il peut bouger? Mec, c'est une caméra portative, il bouge pas. Ah, si. C'est bon. Mec, il a un fusil à pompe sans pression dans les mains, quoi. Allez, bouge. Allez, c'est parti. Faut que je pirate un truc, mais il est derrière lui, quoi. Allez, tourne-toi. Allez, je vais pirater quoi? Oh, ça. Et pirater. Bon. Oh putain, si je touche à ça, j'aurai un timer. Le but étant de déverrouiller ça, puis après ça. Alors, dans la logique, il faut que le courant passe là, là. Comme ça. Et comme ça. Je déverrouillerai donc ici. Hop, hop, et hop. Je me souviens bien, ce mec avait une sorte de tatouage sur tout le visage. Un truc dégueulasse. Mais facile à repérer. Il doit être... Ah oui, c'est lui. Oh putain. Et si je veux que ça m'arrive à moi? Changement de plan. Notre transfert de prisonniers a raté. Vous êtes le plan B. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tout ce qu'il faudra pour faire parler ce type. Ça marche. Alors, est-ce qu'il est... Laisse tomber. Je sais à qui tu penses, mais il n'existe pas, ce mec. Caméra... C'est pas lui ? C'est lui. Le voilà. Et maintenant, comment te faire partir d'ici ? Sentimental. Là, il y a un problème. Des gardes viennent d'embarquer notre cible. Merde, ils sont sous sol, vas-y. Et là, en fait, ils se retrouvent pile dans l'ascenseur devant moi. Allez, go, go, go. Allez, c'est parti. Allez, go. Putain. Je me prépare au cas où. La prison sert de couverture pour une opération bien louche. Qui fait respecter la loi, c'est beau quelque part. Les portes sont ouvertes. Personne à cet étage. Aucune alarme a été déclenchée, fais attention. What the fuck? Ils font quoi là? Bordel, qu'est-ce que de mange-merde comme vous foutiez au stade? Vous faites du business sans nous ou quoi? Tu crois qu'on n'a pas des amis au placé, connard? Eux aussi, ils veulent avoir leur part. Non!
J'ai déjà tout dit. C'était pas un deal. On nous a appelé. Putain de merde, c'est en train de le tabasse. M10-14, intéressant. Je te jure, je t'en suis plus, mec, je te jure. Et ton pote, qu'est-ce qui lui est arrivé? Où est-ce qu'il est? Et merde, putain. Je peux pas tirer sans. Je sais que t'es là. Contournez-le. Découvert, sortez-vous. Oh putain. Oh c'est nul. Mais t'as aucune. On prend en tenaille. Allez. Encerclez-le. Resserrez-vous sur le côté. Allez. Ah là pour le coup ils m'ont bien baisé là. Il était là-bas tout à l'heure. Je vais y jeter un œil. Voilà. Coup de feu. Putain de merde. Vas-y, recharge. Repoussez-le. Putain, où c'est mes renforts? Surveillez vos arrières. On tire dessus. Bon, ça c'est fait. What the fuck? Vas-y, évite ton coup. Et là, je traite pas le coup. Oh, putain. Je sais faire quoi comme ce type? Laisse-moi recharger, s'il te plaît. Pour la vache, là, il a fallu du time. Oh putain, j'ai une nouvelle arme. Putain de merde. Des espèces de juggernaut là, c'est abusé. Bon, allez. C'est parti. Au secours, putain! Au secours! Comment t'as fait pour entrer, mec? Oh, tu sais, c'était plutôt facile. Les prisons haute technologie, ça simplifie les choses. On se connaît? Quoi? On se connaît? Non. Je t'ai jamais vu, mec. Je me disais aussi. Donc, t'es ici... pour 60 jours. Et tu sors dans 30 jours si tu te tiens bien. Et maintenant, c'est marqué quoi, là? 60 ans? Mais qu'est-ce que tu fous, mec? Je te montre juste un avenir différent. Tu vois? Des fois qu'ils te prennent l'envie de parler... ou de passer un marché avec les flics. On se comprend. À toutes les unités, on vous signale l'évasion. On recherche un homme blanc du nom de John Smith. J'ai besoin d'une unité à la blanchisserie. On a perdu le contact. Reçu. On y va. Bon. Niveau menace. C'est fait. Super. Bon, j'imagine que tu veux sortir. T'en fais pas, je t'ai envoyé un petit colis surprise. Où ça? T'inquiète, tu peux pas le louper. Smith Joe. Débat.
Échec de la reconnaissance faciale. Je suis intraçable. Et ça, c'est cool. Un suspect a été repéré. Les officiers ont besoin de soutien. Oh, chier. Est-ce que je peux partir par là? Non, et par là? Non. C'était bien mon chemin. Est-ce que j'ai récupéré toutes mes armes? Parfait. Ah, un brouillage. Des mines. Pas ces fichiers audio, ça m'intéresse pas. Mais comment je sors de là? 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 Non? Il y a un truc par là-bas, mais... Bah, vulnérabilité détectée, c'est fait. Ah bah. Oh mais trop claqué. Non, je me rends. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Et hop. Allez, c'est parti. Youpi! Allez, c'est parti. La fuite! Il a plus sa bagnole, il court. Il court? Putain, c'est à dire qu'il me voit. Dites-moi qu'il y a le métro, dites-moi qu'il y a le métro, dites-moi qu'il y a le métro. Déjà, un, tu t'arrêtes. Hop. Et de deux tu repars. Voilà. Attends, l'hélicoptère me suit. Oh, fait chier. Une voiture de patrouille de choc est à la poursuite du suspect. J'ai beaucoup trop d'étoiles. Suspect en vue. Est-ce que si je repars, ils savent que je suis encore reparti? Merde! Putain, faudrait vraiment que je descende genre à la prochaine station et tout, en mode... Foutez-moi la paix! Bon... Je suis un peu dans le caca. Franchement, on va pas se mentir, je suis pas dans la position la plus favorable au monde. Ce mec a filé, on rentre. Finalement, le plan a fonctionné. Je reste... Ah. Maintenant, les tueurs de l'ENA. Je veux savoir qui est responsable. Damien m'a parlé d'un deuxième hacker, quelqu'un qui était au Merlot. Il faut que je découvre ce qu'il sait. Fou. Ne vous inquiétez pas, je ne vous veux aucun mal. Fou. Bon, en tout cas, c'est super efficace. Alors... Bon! Je vais voir d'abord Emma. Aiden, j'ai pas du tout aimé notre rencontre. Au moins, je t'ai pas tué. On s'entendait si bien avant. Je t'ai appris plein de choses. T'es un hacker professionnel. Et c'est toi le mec des infos? Le justicier? T'as parlé d'un deuxième hacker pendant le job du Merlot.
Mais ça, on le savait déjà qu'il y avait quelqu'un d'autre. Donc, t'as quelque chose de nouveau. Ah, intéressant, pas vrai? Viens me voir. Je t'expliquerai. Dis-moi d'abord. On verra si j'ai envie de te voir. Non, non, mes infos, mes règles. En plus, il faut qu'on rattrape le coup de la dernière fois. Allez, Aiden. Dépêche-toi. Bon. Bon, bah en tout cas, j'espère que cet épisode 3 vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un petit commentaire. Je vais aller faire quelques petites quêtes secondaires, histoire d'améliorer mes compétences de hacking. Et on se retrouvera pour la suite, pour retrouver quelqu'un qu'on n'a pas forcément envie de revoir. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao. Bye, bye.